un président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Nous commençons avec la candidature d'Emmanuel Macron, l'homme du jour hier. Ils avaient tous bien préparé leur petite punchline, leur petit tacle pour Emmanuel Macron. Alors, qui a gagné ce grand concours? On a d'abord ceux qui ont cherché à définir le candidat Macron, comme Arnaud Montebourg. Bah, c'est le candidat des médias, puisque il en est à sa 75e une de magazine, sans avoir fait une seule proposition. Le candidat des médias, c'est bien noté, mais aussi, selon Marine Le Pen... Monsieur Macron est le candidat des banques, il y en a toujours un. Bon, ben, cette fois-ci, c'est celui-là. Le candidat des médias et des banques, donc. On a aussi ceux qui ont tenté des rimes, comme François Fillon. C'est pas une surprise, j'ai jamais pensé qu'Emmanuel Macron marchait pour le Téléthon. Macron ne marche pas pour le Téléthon, c'est ça, bon, c'est goût, bien ça. Travaillé aussi. De son côté, Martine Aubry, Martine Aubry a ressorti sa formule préférée. Un petit mot, décidément, ras-le-bol Macron. Voilà, ras-le-bol Macron, le refrain préféré de la maire de Lille. Gilbert Collard lui a tenté une comparaison. Macron, c'est un Juppé jeune, un Juppé qui a des cheveux. Voilà, Juppé avec des cheveux, pourquoi pas. Il n'a pas beaucoup de cheveux quand même. Oui, en plus, la palme revient à Nadine Morano qui a réussi le grand doublé, s'en prendre à la femme d'Emmanuel Macron et faire une rime dans la foulée. Une espèce de mise en scène, orchestrée par son épouse d'ailleurs, qui le considère peut-être encore comme son élève et qui dit c'est bien, il faut dire ça. Je l'ai dit depuis très très longtemps que pour moi, Monsieur Macron, c'était du bidon. Voilà, Macron, c'est du bidon. Formule bien travaillée. Bon, à J-4 du premier tour de la primaire de la droite et du centre, le suspense reste entier. Elle est là, elle rôde, elle plane, elle menace déjà ce scrutin. La coco-e. Mais oui, vous vous souvenez de ce psychodrame en 2012, Copé contre Fillon, qui s'accuse encore aujourd'hui d'avoir triché des journées entières à recompter les voix. Eh bien, à quelques jours de l'ouverture des bureaux de vote, le spectre de la fraude vient planer au-dessus de la primaire. C'est le camp Fillon qui a lancé les hostilités en diffusant des consignes auprès de ses troupes pour surveiller les bureaux dimanche. Un véritable manuel anti-triche. Attention, hein. Apporter un repas à consommer sur place pour ne pas quitter le bureau de vote de la journée, car tous les bourrages d'urne se passait à l'heure du déjeuner en 2012, écrit le camp Fillon, ou encore attention aux mines de crayons sous l'ongle destinées à dégrader certains bulletins au moment du dépouillement pour qu'ils soient déclarés nuls. Bref, dans le camp Fillon, tout le monde est prêt à parer à toute forme de fraude, et ça n'étonne pas Jean-François Copé. François Fillon, je l'entends beaucoup s'inquiéter de la triche. Il n'arrête pas. Matin, midi, soir, il en parle, il en fait parler autour de lui. Je fais observer que les constats de l'époque des huissiers, c'est pas moi qui les ai faits, c'était que les triches qui ont été identifiées, elles avaient pour origine des gens qui, à l'époque, soutenaient François Fillon et qui, depuis, l'ont trahi pour aller chez Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, je comprends que François Fillon s'en inquiète. Alors, voilà, les tricheurs. Une belle ambiance, dites-moi, les tricheurs. La suspicion entre Fillon et Sarkozy, ça y va. Hein. Là, ça y va. Espérons que les scores ne soient pas trop serrés. Pas trop serrés. Bon, ça nous promet une belle ambiance. Hein. Dimanche soir, nous suivrons tout ça.